l'ADF a été sollicité pour faire une proposition en lien avec notre cœur de métier que sont les musiques actuelles. Et la proposition que nous avons faite s'articule autour de plusieurs axes. Concrètement, il s'agit d'aller au chevet du patient pour faire un diagnostic sur ses connaissances musicales. Et nous, après, on est en capacité de faire des prescriptions et d'échanger un peu autour de l'univers musical du patient. Et nous, les propositions artistiques que nous faisons, de par notre lieu, le public vient à nous. Mais je crois que c'est bien aussi de lui rendre en allant vers le public. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de la musique que dans les salles de concert. Avant, il y en avait partout, la musique. Il y en avait dans la rue, il y en avait dans les bistrots, tout ça. Et pourquoi pas à l'hôpital, hein, finalement. Il y a déjà des gens qui font ça avec les enfants dans les hôpitaux depuis longtemps. Et je pense qu'il faut le faire aussi pour les gens qui sont juste de passage. C'est souvent un dur moment, un passage à l'hôpital. Le fait que le temps dans un hôpital est souvent très long, je pense que c'est bien qu'on leur apporte, que des gens de l'extérieur, hors de leur famille et hors de leur connaissance, viennent apporter un truc de temps à autre. C'est super que ce soit de la musique, mais ça peut être plein d'autres choses, vu qu'apparemment il y a aussi des conférences et des choses. Pour moi, ça me paraît important.